Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tu te passes bien. Bon, là, tu vois, là, je suis à l'aise. Tu vois, je suis allongé comme à la plage. Parce que c'est bon. On va faire les abdos. On va se faire mal. Ok? On a pu faire bras, jambes, pecs, dos. On a tout fait, je suis content, mais il manque les abdos. Ok? Donc, on va commencer ces programmes abdos par du gainage. Le plus important, le plus oublié. Mais le gainage, je rappelle, c'est indispensable pour avoir des putains d'abdos. Pour moi, c'est indispensable. Et aussi pour gainer, tu vois, pour avoir l'effet ventre plat, faut faire du gainage, sinon t'as pas le choix. Donc, prends ta serviette. Bon, moi, la serviette, elle me sert à rien, mais prends quand même ta serviette. Sois motivé, prends de l'eau et on commence. Bon, le chrono est prêt, ma feuille pour que je note est là, l'eau aussi est là, la serviette qui sert à rien est là. Premier exercice, on va faire le gainage statique. Hop, celui-là en planche sur le côté, ça donne ça, d'accord? On monte les fesses bien haut, c'est pas genre on fait ça, on commence à bouger, non, si on reste comme ça, d'accord? On fait les choses bien. Là, on va travailler en 4 fois 30 secondes avec 30 secondes de repos. Donc, ça va faire mal. Là, c'est pas les 1 minute, 1 30 et tout, là, c'est 30 secondes de repos. Donc, je sais pas si je vais assumer. Honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de gainage, mais si je suis en PLS, je suis en PLS. Mais on va faire en sorte d'aller au bout, d'accord? On est là pour souffrir ensemble, tranquillement. Oh, allez, c'est parti, on y va. Hop. Vingt secondes. Ok, 30, on lâche. On arrête le chrono, on l'efface, on remet le chrono. On met un petit trait. Pour ceux qui sont plus chauds, plus à l'aise, vous pouvez faire 4 fois 1 minute. Mais comme moi, je m'adresse à tout le monde, débutant ou pas débutant, voilà. On fait 30 secondes, ok? Putain, ça m'arrange aussi, hein, pas se le mentir. On est déjà à 20 secondes, on va repartir. Oh. Ok, on repart. Ok, 10 secondes. Vingt secondes. Trente, on peut lâcher. Ok. En vrai, tout à l'heure, j'ai arrêté le chrono, mais là, je laisse tourner en fait. Il en manque deux. Il reste 20 secondes. Là, ça va vite, là. Ça va très vite. C'est plus le petit programme où je raconte des conneries et je rigole, hein. Oh. Il reste 10 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Dix. Allez, on tient. Vingt. Trente. Ok. Oh. Il en manque une dernière. Et on est bon. Ok. Il reste 20 secondes. Oh. Comme je te dis, hein, le gainage, c'est chiant. C'est très chiant. Mais c'est bénéfique. 10 secondes pour valider la dernière. Allez. Hop. Dix.
20. Trente. Ok. Oh. On en a fait quatre. On prend une, deux ou trois minutes de repos. On boit sa gorgée d'eau et on passe à l'exercice suivant. Exercice numéro 2, et si tu connais bien mes vidéos et mes programmes, tu sais que l'exercice numéro 2, c'est l'exercice qui fait chier, d'accord? Celui-là, il fait vraiment chier. Ça va être le gainage sur le côté, hop, comme ça. Tu vas te dire, bon, ça va, c'est tranquille, mais mec, faut le faire 4 fois, 30 secondes, et des deux côtés. Donc, c'est 8 fois en réalité. Tu vois, c'est 4 fois d'un côté et 4 fois de l'autre côté. Donc, ah, mec. Ça va faire mal, donc faut être prêt, d'accord? Faut vraiment être prêt. Oh. Je vais me préparer, mettre mon chrono. J'essaie de mettre toujours en sorte que je sois face à la caméra. Sinon, ça va faire bizarre, ok? Bon, je me mets en position. C'est parti. Attends, voilà, c'est parti. Tu vois, là, j'ai gratté 5 secondes déjà de gainage. Oh, on essaie de monter bien haut. 10. Ok, 20, c'est pour les obliques. C'est important. Ok, 30. Ouais, je laisse le temps. Hop. Ok. Oh, 20 secondes. Voilà, je parle plus, il n'y a plus de blagues, c'est fini là. Là, on travaille. Là, on fait les choses bien, c'est important. Allez. Oh, 10 secondes. 5 secondes. Ok, c'est parti. Ça, c'est les crêpes que j'ai mangées, ça. 10. Crêpes au Nutella, pas la confiture au Nutella. Ça, en fait, c'est important. Là, tu vois, je peux parler parce que là, on parle de crêpes là. 20 secondes. Et crêpes au Nutella, c'est la base. Ceux qui mangent des crêpes à la confiture, les frères. Non, vous, je vous ramène dans le droit chemin. Avec la communauté, c'est important. 30, ok. Très bien, on laisse le temps tourner. Je mets mon petit trait. Allez, mec. J'en avais parlé sur Instagram. Il y en a, ils mangent des crêpes avec de la confiture d'abricot. Comment vous faites, les mecs? Comment vous faites? Il reste 10 secondes. Oh. Toujours crêpes, Nutella, c'est important. Ok. Les gens vont se dire, le mec fait du gainage. Il est là, il fait des programmes, il parle de crêpes. Ouais, c'est important parce que c'est les crêpes qui m'ont rendu comme ça. Et c'est ça que j'élimine, ça qui me fait mal là. Donc je me venge. Oh, 15 secondes, ok. Par contre, ceux qui prennent les crêpes roulées, les mecs. Les crêpes roulées, les mecs. Là, on parle de crêpes roulées. Ça, faut pas faire ça. Ça n'existe pas. Allez. Ouf. 30, ok, super. Non, les crêpes roulées, c'est trop. Les crêpes roulées, franchement, c'est trop. Faut pas. C'est immangeable. C'est pas bon. Comme je l'ai dit sur Insta, crêpes triangulaires, les mecs. Triangulaires. Faut faire les choses bien, on a dit. Oh. 10 secondes. Allez. Oh. Ok, on y va. Ouh. Allez. Pense à toutes les crêpes que t'as mangées. C'est bien fait pour toi, c'est pas mal. Là, je rigole, mais j'ai mal, hein. J'ai mal de ouf. Et si je rigole pas, je vais abandonner. Et moi, c'est ça mon problème. Je suis obligé de rire. Allez. 20 secondes. Ok. 20. 20 secondes. Allez. Ok. Super. On a fait juste deux, là. Tu vois. Juste deux. Je me replace.
toi, l'avantage c'est que tu peux juste te tourner, t'es pas obligé de faire des loopings comme moi là. Oh. Il reste 10 secondes, ok? Comme je t'ai dit, c'est le plus dur, mais une fois que t'as le rythme et tout, ça va. Et au début, ça va être compliqué, mais plus tu vas t'habituer, plus tu vas bien faire le mouvement. Ok. Enfin, plus tu vas plus avoir mal qu'avant. Vas-y. S'il y en a qui tiennent et qui voient jusqu'à là, dites-moi dans les commentaires. Dams, sale bâtard, c'est important le sale bâtard. Fais le programme avec 1 minute maintenant parce que tu fais que de rire. Ok. 20. Oh. Allez. Et au bout de 10 commentaires comme ça, c'est bon. Je le fais sur 1 minute. Et là, je vais plus rire. Ok, 30. Oh. Par contre, si vous faites ça, les mecs, vous êtes grave. Si vous faites ça et je fais le programme, celui-là, en 1 minute, vous avez intérêt à commenter toutes les autres vidéos. Hein, parce que là, c'est un sacrifice. J'ai mal. Il reste 10 secondes. Allez. Oh. Hop, c'est parti. Et je tiens à dire, je ne suis pas sponsorisé par Prozis, d'accord? Il me fallait un t-shirt serré. Et je me suis dit, bon, le Prozis, il est bien, tu vois, il sert bien. Donc je vais le mettre. Mais je ne suis pas sponsorisé par eux. Du moins, pas encore. Tu vois, on ne sait pas. On ne sait jamais parce que ces marques-là, elles aiment bien prendre les petits influenceurs ou youtubeurs. Je sais pas, c'est une mode maintenant. C'est une guerre. Allez. Ouais. 30. Ok. Oh. Troisième. Il en manque une dernière. Oh. Oh. Ah, je t'ai dit là. Là, c'est les abdos là. Les abdos, c'est du gainage. C'est dur. Oh, c'est dur. Il reste 10 secondes déjà. Ok. Là, tu vois, là, je rigole plus. Là, j'ai mal. Alors, sur 1 minute, putain. Ok, c'est parti. Dix. Ok. Oh, allez. 20. Là, j'ai plus de sujet de conversation. Là, c'est moi. J'ai mal. Là, c'est fini. C'est chaud. Ok, 30. Oh. C'est incroyable. Allez. Ouais, bah c'est un programme en 7 minutes 30, on va dire. Enfin, pour cet exercice-là. Je précise. Oh. 10 secondes. Ah, ça va, ça. Dernière. Fais les choses bien. Je suis content. Heureusement que je mets les traits. Parce que là, j'aime pas quel jour on est. C'est parti. T'en es qu'à 7 secondes là. 10, allez. Moi j'attaque des titans, regardez après là. Ouf. 20, ok, il en reste 10. Et on passe au dernier exercice, ok? Dernier exercice, on va travailler les lombaires. Et je pense que tous mes exo-abdos, ça va être comme ça. On va se faire 2 exo-abdos et le même exercice lombaire à la fin. Parce que si t'as pas de lombaire, t'as pas d'abdos. Ça, on retient bien. Et protéger son lombaire et les muscler, c'est très important. Je sais que des mouvements comme le soulevé de terre, j'ai entendu les travail. Mais tu dois avoir un renforcement des lombaires. Abdos et lombaires, c'est complémentaire. Donc, beaucoup de gens font que abdos, 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 abdos. Mais si je fais pas de lombaires, c'est mort. Donc, on va faire cet exo-là. Tu t'allonges, tu mets tes bras comme ça, t'écartes un peu les jambes et hop. On va en faire 10 comme ça.
Tu peux aussi le faire en gainage, rester comme ça. Mais moi, j'aime pas en gainage, tu vois. Donc, on va en faire 10, 4 fois 10 reps et 30 secondes de repos. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Full chrono, mon petit trait. Oh. Là, c'est agréable, tu vois. Après le deuxième exercice, un truc comme ça, c'est agréable. Bon, on peut pas rigoler parce que là, j'ai que 30 secondes de récup. Mais on est bien, on passe une séance agréable, les mecs. C'est ce qu'il faut. On fait les choses bien. Oh. Ok, 5 secondes. Ok, on repart. 1, 2, ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Un petit trait. 30 secondes. Par contre, là, quand j'ai 30 secondes, c'est 30 secondes. Hein. C'est pas genre, ouais, j'ai mal, 30 secondes. Les abdos obliques et tout, ça récupère vite, très vite, 30 secondes, d'accord? On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Si on faisait des séries de 20 à 30 reps, ouais, là, une minute. Mais là, c'est 10, c'est rapide, d'accord? Moi, j'ai envie d'envoyer, enfin, dépenser rapidement pour progresser rapidement, ok? Allez, c'est parti, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je vais montrer. Hop. On balance les 30 secondes. Comme tu vois, c'est très rapide. C'est vraiment très rapide. Les abdos, c'est ça, on n'est pas là pour perdre du temps. Tu fais ça à la fin de la séance. À la fin de tes deux séances pec ou de ta séance pec, ta séance triceps, tu fais ça à la fin si tu as envie de mettre un troisième truc. D'accord? Oh. Déjà, il reste 10 secondes, putain, c'est incroyable. Allez. 25, 26, 27, allez, 28. Ok, c'est parti pour la dernière. 1, 2. 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, allez, et 10. Oh, mon petit trait. Tu prends 1, 2 ou 3 minutes de repos et soit tu passes à un autre exercice abdo, mais en général, le gainage, c'est vraiment la fin, tu vois. Mais si tu as envie de faire encore un truc, je ne vais pas t'en empêcher. Ou bien alors, bah, c'est fini et tu peux aller te rincer. Ok? Oh, là, je me pose un peu et je vais te dire le mot de la fin tranquillement. Ok, voilà pour cette séance. Gainage, abdo et lombaire. J'espère que tu as kiffé. Si tu as kiffé, mets un petit like, un petit commentaire, abonne-toi, hein, c'est important. Merci d'ailleurs pour tous les retours suite au programme, on va en faire encore. Comme je l'ai dit, ce programme gainage, pour moi, j'ai commencé par ça en abdo parce que c'est vraiment le plus important. Et c'est un programme à faire vraiment en fin, mais vraiment, vraiment en fin, à la fin de la séance. Limite après ça, tu vas te laver, c'est bon, ok? Tu fais ça bien. Donc, moi, je te dis, porte-toi bien. Fais les choses bien, d'accord? Et à la prochaine pour la suite.